Où m'emmenez-vous? Je vous ai rien demandé! Et qui êtes-vous à la fin? Gardez votre calme! Tonnerre de tonnerre! Accrochez-vous! Je peux remettre le pied sur l'eau! Je me sens pas bien! Patience! Laissez-moi descendre de là! Ah! Capitaine, arrêtez de crier, s'il vous plaît! Je dois rester concentré! On va mourir! Pas de question! Achetez mes antiquités, plus c'est vieux, plus c'est solide! Ça va être l'heure de casser la croûte, hein? De Belgique. Où es-tu, Milou? Ah, te voilà enfin, sacripant. Où étais-tu encore passé, hein? Qu'est-ce que tu veux me montrer? J'arrive, j'arrive! Alors c'est ça que tu veux me montrer? Calme-toi, Milou! Tu as raison, elle est magnifique! Ça, c'est sûr, c'est une vraie caramelle! Caravelle? C'est bien ce que je dis, hein. Elle vaut 90 francs! Milou, depuis quand t'intéresses-tu aux maquettes? Ça ne se mange pas! Je vous en offre 50 francs! Marché conclu, et vous faites une vraie affaire! Combien, ce bateau? Je viens de le vendre, jeune homme. Je vous le rachète. Je regrette, monsieur. Je ne souhaite pas du tout le revendre. Écoutez, je suis collectionneur. Je vous offre le double du prix que vous l'avez payé. Je suis désolé. Ne soyez pas stupide, jeune homme. Ça suffit. Du calme, Milou. Nous nous sommes tout dit. Au revoir, monsieur. Comme c'est étrange. Cette maquette attire bien de la convoitise. Je commence à penser que ce bateau nous cache quelque chose. Milou, qu'en penses-tu? Je connais quelqu'un qui est un expert en bateau. Je peux vous le présenter? Oh, oui. Merci. Allons-y. Ainsi, vous avez la licorne. C'est son nom. Trois mâts, deux pompes, 50 canons. Une vraie célébrité en son temps. La licorne? Tenez, vous devriez lire ça.
La licorne de Louis XIV, 1698, la licorne qui est à Saint-Domingue pour le moment, a fait attaquer par Rackham le Rouge. Le capitaine abandonna son équipage et coula son navire. Tu entends ça, Minou? Cet acte de lâcheté et déshonora le capitaine sur plusieurs générations. Le capitaine de la licorne, François de Haddock. Il a coulé la licorne? Pourquoi? Pourquoi a-t-il envoyé son propre navire par le fond? Ce n'est pas écrit. L'histoire n'est jamais complète dans les livres, jeune homme. L'histoire est dans notre sang. Quel étrange dessin. On dirait qu'il y a un... Je le prends. Merci, messieurs. Bonne journée à vous. Que les mâts peuvent être tournés. Hein? Il y a quelque chose à l'intérieur de cette maquette. Sacré Milou! C'est ça que t'avais senti, hein? On dirait un genre de rouleau de papier. Un vieux parchemin. Trois frères unis. Trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est lui. Gredin a eu tout le temps de s'échapper. Milou, à toi de jouer. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à ce bateau? Quel est le secret de la licorne? Continue, Milou! Il cherche le château parchemin. De Moulinsart. M.E.G. Loiseau. Ce n'est peut-être pas la peine de sonner, hein? Il est en train de rentrer chez les Loiseaux. On fait quoi, Alan? On fait rien, pour l'instant. Ne nous faisons pas repérer. Doucement, Milou. C'est trop risqué par là. Il faut trouver un autre accès, Milou. Il doit bien y avoir un autre accès. T'as une piste? T'as trouvé quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu l'as? Bien, un gamin l'a acheté juste sous mon nez. On l'a récupéré, et rien à l'intérieur. Le gamin a déjà découvert le parchemin, c'est sûr. Allons donc la remettre à sa place. Et puis on avisera plus tard. C'est bien l'homme du marché!
Il faut qu'on remette la main sur ma maquette. Tâchons de les rejoindre. Encore coincé. Eureka, Milou. Suivons-le. Les rats savent toujours comment entrer. Il nous guidera. Cherche encore. Continue. Allez, tu as senti quelque chose ? Milou ! Je ne peux pas te suivre ! Trouve-moi un accès, Milou ! Tâche de m'ouvrir ! Je ne suis pas loin, Milou. Dans les sous-sols de Moulinsart. On a réussi. Mais d'abord, je te confie le parchemin, Milou. Si je me fais prendre, ils ne le chercheront pas sur toi. Bravo, Milou. Oh, 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 oh. Nous devons retrouver la licorne. On dirait une sorte de crypte. Nous ne sommes pas seuls ici. Ouh. On devrait investir dans des plumeaux plus gros. Tant qu'il courait après. Ça n'a pas dû être facile de trouver ce bateau. C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Ça veut dire qu'on va avoir une prime ? Je rêve. Il est ici ! Quoi ? Revenez ! Ces vieux meubles. On doit être chez des antiquaires. À quel genre de trafic se livre ces l'oiseau ? Mais... Je sens qu'on tient un sujet qui vaut de l'or, mon bon Milou.
passerons du dîner ce soir. Bien, monsieur. Hein? Hein? Quoi? Oh, allons bon. Quoi? Hein? Elle a quoi? Ils arrivent en montagne. Maintenant, ça va se corser. Ah, on va voir qui sont les vrais grimpeurs. Il faut que j'arrive à en savoir plus sur ce parchemin. Je le sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Eureka! Sur la bonne voie, Milou. Il n'y a rien de tel que le Tour de France. Allez, Louison! Je préfère Coffee. Attention.
La licorne est dans les pièces du haut, c'est sûr. Tu entends, Milou? On est enfin sortis. Soyons prudents. Soyez à l'heure aux cuisines demain matin à 5 heures. Ces messieurs sont-ils rentrés? Hein? À la rescousse! Mon vieux Milou. Allez, il va bientôt être temps d'aller se coucher. C'est bien, mon chien. Que je porte les mêmes chaussettes. Quoi? Quoi? Revenez! Les oiseaux ne doivent plus être bien loin. Qui a pensé à passer en vue et faire des commissions? Quoi? Je suis plus attentif. Nous allons à la salle de marine. On ne nous dérange pas. Certainement, monsieur. Demain, je nettoie la salle de marine. Au fait, tu as parlé avec le jardinier? Ça fait pas de je dois trouver cette salle de marine. Je n'y vois rien ici. Ça fait combien de temps que nous travaillons ici? Je devrais prendre mon jour de congé demain. Au fait, tu as parlé avec le jardinier? Quelqu'un sait où sont les détergents? Ce château est décidément infesté de vermine. Je dois trouver cette salle de marine.
Je n'y vois rien ici. Ça fait combien de temps que nous travaillons ici? Je devrais prendre mon jour de congé demain. Au fait, tu as parlé avec le jardinier? Quelqu'un sait où sont les détergents? Ce château est décidément infesté de vermine. Où est donc cette salle de marine? Ah, encore ces bestioles! Les loiseaux n'ont pas dû s'attarder ici. Le mystère s'éclaircit. Juste ciel, pourriez-vous baisser le volume? Mais c'est le Tour de France! Quoi? Oh. Ça fait combien de temps que nous travaillons? Hein? Il est là! Oui!
le service ce soir. Et revenons à présent vers les premiers. Très bien. Puisque nous avons ces messieurs sont-ils rentrés? Je vais avoir besoin de ta clé maintenant. Quoi? Oui. Elle a... ah! Quoi? Hein? Ah! Oh! Revois! Ah! Hein? C'est toujours extrêmement utile de savoir contourner les problèmes. Elle a... où? Arrête-toi! Sortez de là! Ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Avoir besoin de ta clé maintenant. C'est toujours extrêmement utile de savoir contourner les problèmes. Ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Milou, à toi de jouer. C'est bien, c'est bien. Bien, Milou. Ces vieux bâtiments sont des nids à poussière. Ils avaient raison de vouloir nettoyer le château.
touche au but. Je le sens. Au fait, tu as parlé avec le jardinier. Quoi? Je devrais prendre mon jour de congé demain. Il faudra penser à repasser la serpillière aussi. Quelqu'un sait où sont les détergents? J'avais su ce qui m'attendait ce matin. Waouh! Ça alors! Quelle collection! C'est un vrai musée privé. Ma licorne! Et une autre licorne! Rappelle-toi, Milou. Trois licornes voguant au soleil de midi. Alors, c'est lui, le gamin du marché, Maxime? C'est gentil de venir nous rapporter notre dû, jeune homme. De quoi parlez-vous? C'est mon bateau! Je l'ai acheté! Vous auriez dû me la vendre gentiment, cette maquette. Vous aussi, vous recherchez les licornes, n'est-ce pas? Pourquoi donc est-ce qu'elle t'intéresse autant, ces licornes? Les trois licornes ont été construites par François de Haddock, c'est ça? En héritage pour ses trois fils. Tais-toi, Maxime. Tu parles beaucoup trop. Et chaque maquette a un parchemin caché dans le mât. Je me demande bien de quoi il s'agit. Ce n'est rien. Ces maquettes n'ont aucune importance. Vous voulez me faire croire ça? J'imagine qu'il y a un trésor quelque part, c'est bien ça? Tu poses un peu trop de questions. C'est mon travail. Je vis de ça. Ça suffit! Tu as le parchemin. Donne-le-moi! Ou alors... Il a disparu! Fais attention, il est petit, mais s'il est coriace. Crapule, tu vas voir comme je suis coriace. Hein? Ne bouge pas! Quoi? Ne cache pas! Je t'ai vu! Le danger n'est pas encore écarté! Je le vois! Et maintenant, voyons voir ce que ces licornes ont dans le ventre. Rien. Ça doit être la mienne. Essayons l'autre. Fouineur. Sapristi. Alors, c'est ça que tu cherches? Le parchemin, il l'a sur lui. Oh!
gamin ! Où est le parchemin ? Je n'ai pas le parchemin ! Alors, on n'a plus besoin de toi ! Hein ? Oh, merci, messieurs. Je vous dois une fière chandelle. Alan ! Je l'ai ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous aussi ? Vous recherchez les... Qui êtes-vous ? On embarque. Il sait des choses.